aussi que vous allez relayer notre message dans le seul but que cela puisse aider à trouver vite une solution à cette souffrance de nos frères et sœurs dans cette partie de notre pays. Et eux aussi, comme nous, puissent vivre en paix, dans la concorde de la fraternité, comme ils ont toujours été. Ce travail avec nos seules forces, nous ne saurons pas le faire. Voilà pourquoi nous voulons nous tourner vers le Seigneur, qui jette son regard de pitié, de miséricorde sur nous, et qu'il puisse bénir tous les efforts que les uns et les autres font pour que la paix puisse enfin régner dans ce territoire qui souffre aujourd'hui.